Notre invitée, Alice Barbe, donc c'est une activiste, comme je l'ai présenté, entrepreneur social, la présidente, la fondatrice de l'Académie des futurs leaders. Madame la présidente, bonjour. Ça vous fait sourire. Bonjour Adil. Pourquoi? Bon, comment allez-vous? Ah, ça va très bien. Ça va très bien. Très contente d'être là. Eh bien, écoutez, partagez. Justement, nous allons parler, si vous le voulez bien, de votre parcours à vous, de l'actualité de l'Académie des futurs leaders. Nous parlerons aussi également de votre académie, la toute nouvelle académie qui va former les futurs politiques. Alice Barbe, justement, première question avant de lancer l'actu. J'aime beaucoup cette formule. On ne n'est pas engagé, on le devient. Qu'est-ce qu'on met dans cette phrase? Voilà, déjà, c'est le titre de mon livre, donc forcément, je vois d'où ça sort. Parce que, bon, oui, clairement, moi, je fais partie de ce qu'on peut appeler les engagés et je ne vois pas ma vie autrement. Et ce n'est pas venu d'un coup, je ne me suis pas levée un matin en disant « ça y est, c'est à ça que je vais dédier ma vie ». Alors, si j'avais voulu être riche, j'aurais choisi d'autres types de métiers. Mais c'est vraiment l'engagement, c'est un moteur et une flamme qui est venu des rencontres. J'ai rencontré énormément de personnes et notamment en ayant travaillé avec Singa, comme dirait pendant 10 ans, qui étaient prêtes à mourir pour leurs convictions, pour sauver leur peau, pour se battre, qui se battaient pour la liberté, qui ont été en prison, qui ont parfois été torturées, qu'on appelle des réfugiés, des migrants, peu importe. Et ces rencontres-là, ça a été ce moteur, moi, qui fait que je me vois très très mal faire autre chose dans ma vie que donner un sens pour le bien commun et l'intérêt général. – Votre académie que vous avez fondée, l'Académie des futurs talents, une petite question justement des leaders absolument que vous avez fondée, est-ce que c'est une école pour former les futurs politiques ou est-ce que c'est une école du militantisme? Qu'est-ce que c'est que précisément cette académie ? Déjà, l'idée est venue parce qu'il y a 3 constats. Tout à l'heure, tu me demandais pourquoi moi, je ne suis pas en politique. Et évidemment, on posera, je vous poserai la question dans le portrait tout à l'heure, bien évidemment, sûr. Quand on est engagé, on se dit j'ai hyper envie d'y aller, en fait, parce que c'est au niveau politique que ça se passe. Or, aujourd'hui, le problème, c'est que les traditionnels partis politiques ont beaucoup de mal à attirer ceux qui s'engagent. Et ce qu'on voit, c'est qu'il y a toute une génération de personnes qui sont prêtes à se mobiliser pour des grandes causes. Je pense au climat, je pense à la santé, je pense à la question des violences sexuelles et sexistes. On voit, on est à l'âge des mouvements. On est à l'âge de mouvements qui sont menés par des personnes, je pense. Mais c'est une reconversion, passage de ce militantisme au passage politique, c'est quoi ? Justement, en fait, moi j'ai l'impression surtout qu'elles ne veulent pas trop y aller, elles ne veulent pas trop rentrer dans les partis. Ça peut faire peur. Il y a quelqu'un qui m'a dit récemment, il faut être fou pour vouloir rentrer en politique. Et c'est là que l'Académie intervient. C'est pour dire, non, en fait, vous qui rassemblez des millions de personnes pour des causes de justice sociale, environnementale, pour la démocratie, vous avez toute votre place et toute votre légitimité en politique. On va juste donner un petit coup de pouce. Alors, c'est une école qui forme. J'aime pas trop cette expression parce qu'en soi, oui, c'est une académie. Il y a des cours, il y a des interventions. Mais c'est surtout des gens qui sont déjà extraordinaires. Mais il y a des trous dans la raquette. Il y a des trous dans la raquette parce qu'ils disent... On va en parler. On va en parler, madame la présidente. Juste avant de lancer le sujet, le chapitre, actu, une petite question. Vous êtes activiste, d'accord? On vous voit en permanence, évidemment, avec cette lutte. Sans faille, l'Afghanistan, l'Ukraine plus récemment. Un mot avec l'Ukraine, par exemple. La guerre en Ukraine, pardon. Je pense que tout le monde a pris un coup de poing dans le ventre hier et on est en train d'assister à quelque chose de terrible en direct sur Instagram, sur Twitter. On voit des gens se faire tirer dessus, des bébés dans les métros avec leurs parents effrayés. Et en fait, je crois que ma génération, on est en train d'assister en direct à ça. Ce qui n'était pas le cas il y a 10 ans, 20 ans, on ne voyait pas autant les choses, on ne se sentait pas aussi impliqué. Donc on ne peut pas dire qu'on ne savait pas. Et les mobilisations et les nouvelles formes de mobilisation qui sont en train de naître, moi j'y crois beaucoup. On parle de l'Afghanistan, on peut parler de l'Ukraine. Les gens ont envie de se mobiliser. De la société civile. Et ils peuvent s'organiser entre eux. Moi je pense qu'on peut demain être des milliers, des millions à se mobiliser parce qu'on a des valeurs qui sont la paix, les droits humains, les femmes. Pour l'Afghanistan, on a besoin peut-être d'une révolution menée par des femmes. Et tout ça, c'est des choses qui sont possibles, qui sont faisables et dont on connaît les codes et on les partage entre nous aussi. Il y a des mouvements Black Lives Matter aux États-Unis, évidemment. C'est des mouvements inspirationnels. Ce qui s'est passé avec les Gilets jaunes sont des mouvements inspirationnels. Ça voyage sur toute la planète, ces méthodes. Donc on peut s'organiser. Alice Barbe, Madame la Présidente, nous allons parler tout de suite de l'actualité de l'Académie des futurs leaders. C'est parti, jingle!
Eh bien, justement, deux études ont été publiées il y a quelques mois, vous savez, qui établissent que les 25-34 ans ont fait du Rassemblement national leur premier choix. Je parle des jeunes, là. Hein. Il s'agit d'une clash, est-ce qu'on peut le résumer comme ça, touchée par la désillusion, Madame la Présidente. Au-delà de la désillusion, je crois que l'extrême droite a bien compris les codes de la métapolitique, de comment rassembler, ce qui n'est pas forcément le cas du camp progressiste. Quand on voit l'extrême droite qui crée des écoles, à l'image de celle de Marion Maréchal, quand on voit des camps de vacances, des activités sportives, des lieux pour se rencontrer, pour se marier, pourquoi pas, des podcasts, des influenceurs, des chaînes YouTube, ils ont tout à fait compris comment attirer une jeune génération. Et moi, je crois que tout ça est très, très réfléchi. Je ne crois pas que ce soit une question de tendance. Intervient le rôle de votre académie, justement, là, quand on voit d'un côté les jeunes qui s'intéressent à l'extrême droite, parce que j'ai aussi un autre chiffre. En France, par exemple, Alice Barbe, près de 5000 jeunes se seraient engagés dans le mouvement Génération Z, qui soutient le candidat Éric Zemmour. Que fait, quand vous observez ça d'un côté, vous vous dites, est-ce que vous êtes inquiète ? Hein, avec cette montée évidemment de notre jeunesse, d'une jeunesse qui se retrouve dans les extrêmes. Et vous, avec votre académie, vous dites quoi ? Génération Z, je crois vraiment, je suis fondamentalement persuadée qu'on fait face un peu aux derniers soubresauts d'idées d'un autre siècle qui sont absolument rances quand on considère que les plus grands problèmes de la planète, c'est quelques milliers de personnes qui fuient leur pays au péril de leur vie. C'est que non, c'est d'un autre âge, c'est d'un autre siècle. Les préoccupations aujourd'hui, c'est le climat, c'est la santé, c'est pas forcément des questions identitaires. Et l'académie qu'on a lancée, alors déjà, mon associé Mishka Benjo est basé aux États-Unis, il a fait les campagnes d'Alexandria Ocasio-Cortez, il a fait les campagnes d'Obama, moi j'ai aussi l'occasion de travailler avec le président Obama, on voit qu'il y a un vrai besoin aussi d'incarnation dans les gens qui à l'âge des mouvements, qui se mobilisent. Cette incarnation, elle est difficile à trouver parce que quand on est une femme, une personne racisée, quand on vient, on va dire, des quartiers, quand on nous a demandé de choisir entre être musulman et être français, que c'est quelque chose qui ressort tout le temps, bah évidemment qu'on se dit que c'est pas ma place, la politique. Et je crois vraiment que remettre à l'honneur des personnes dont la lutte, le combat est exemplaire sur des valeurs et dont on a tant à apprendre, c'est ça dont la démocratie a besoin aujourd'hui. Un exemple d'une personne qu'on accompagne, Stéphane Ravaclet, et c'est pas juste la jeunesse, l'Académie des Futurs Leaders, c'est pas que des jeunes. Stéphane, il a 50 ans, c'est un boulanger qui a fait une grève de la faim de 11 jours pour sauver son apprenti qui était menacé d'expulsion. Ben, en fait, oui, il a toute sa place en politique, il était prêt à risquer sa vie. Et il n'est pas le seul, il a lancé un mouvement, Patron Solidaire, pour que d'autres patrons puissent embaucher et continuer de garder des personnes qui peuvent être en situation irrégulière en France. Ça, c'est l'exemplarité, ça, c'est de l'éthique, ça, c'est de l'intégrité. Et moi, c'est lui que je veux voir à l'Assemblée nationale. Et bien justement, on va en parler tout à l'heure parce que vous voulez, évidemment, l'objectif pour vous, c'est d'accompagner, de former toute une série de politiques, les politiques de demain, ce qu'on appelle la génération des politiques de demain. On va parler de vous, ça vous va ? On y va. Oui, allez, c'est parti. Portrait, jingle. Je ne parle ni à la fondatrice, ni à la présidente, je parle à Alice Barbe. Ça vous fait sourire, mais effectivement. Dites-moi, ma chère Alice Barbe, vous avez toujours été engagée. Je vois, vous êtes jeune encore, vous avez 34 ans, c'est ça ? Mmh. 34 ans. 34 ans est déjà, évidemment, un sacré parcours. Vous n'êtes pas passé par les partis politiques ? Non. Jamais ? Un peu. Un peu. Exclusivement la société civile. Mmh. Vous êtes engagée depuis quel âge ? J'ai fait beaucoup de choses, mais je crois qu'en arrivant à Paris, après mes études, j'ai eu une vague expérience aux Nations Unies et dans le secteur humanitaire aussi au Mexique. Mais 24 ans, ouais, quand on a démarré Singa, mais je crois que on ne s'est pas dit ça y est, on est engagé, on ne s'est pas dit nous sommes des entrepreneurs sociaux. Moi, ce qui m'est arrivé à 24 ans en arrivant à Paris, c'est de rencontrer des gens, notamment les cofondateurs de Singa, Guillaume Capel et Nathanaël Moll, qui m'ont dit viens, on change les choses. Et petit à petit, on a rencontré Fodé Mahmoudjané, Carlos Arbeláez, Ina Omarova, des personnes qui étaient réfugiées. Et ensemble, on a été une grande bande de potes. Et on s'est dit, on peut changer les choses. Parce qu'on est ensemble, on est déterminés. Et en fait, il y a énormément de choses à changer dans ce monde. Donc ça, ça a été C'est cet ADN, Alice Barbe, vous l'avez depuis que vous êtes, par exemple, plus jeune encore, c'est-à-dire au collège, au lycée ?
Moi, je viens d'une famille qui était engagée sur le papier. Évidemment que ça faisait partie des conversations qu'on pouvait avoir le soir. Et j'ai découvert aussi une forme d'héritage familial. Du côté de ma mère, les personnes, la famille de ma mère était complètement collabo avec des idées fascisantes qui m'expliquaient quand j'étais petite que les livres d'histoire me mentaient, que les camps de concentration n'existaient pas, étaient une invention des Américains, et que les Juifs étaient morts du typhus et qu'il n'y avait pas eu de Shoah. Donc ça, c'est l'héritage que j'ai eu du côté de ma mère et du côté de mon père. Au contraire, mon grand-père était résistant de la première heure. Et je ne sais pas, il faudrait en parler avec mon psy, mais oui, effectivement, quand j'ai entendu tout ça et que j'ai compris ce qui était en train de se jouer, que ma grand-mère, mes cousins, etc., que j'aimais, me racontaient ces choses-là, je me disais, mais ce n'est pas possible, c'est impossible. Donc peut-être que finalement, j'ai envie de dédier ma vie à leur prouver qu'ils ont tort. Mais je pensais malheureusement que leurs idées allaient mourir avec eux. Or, on voit que ce n'est pas exactement comme ça que c'est en train de se passer. Dites-moi, Alice Barbe, vous êtes l'une, j'ai vu, hein, j'ai un peu gratté, l'une des entrepreneurs sociales les plus influentes en France. Pourquoi ça vous fait sourire? Je ne sais pas qui a dit ça. Je ne sais pas, non, je n'ai pas tant de followers que ça sur Instagram. Mais mais être influent... Je ne sais pas. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que le travail qu'on a fait avec Singa a clairement changé les choses, a changé la manière dont on parle de la migration et a apporté un autre regard. Et aujourd'hui, qui est encore plus porté par la personne qui m'a remplacée. Vous avez un joli carnet d'adresses aujourd'hui consacré aux réfugiés dans le monde. Des réfugiés plutôt. En fait, j'ai eu à la fois la chance de rencontrer effectivement des activistes du monde entier qui souvent ont dû fuir pour leur liberté. Donc effectivement, on est en lien, on se parle, on échange beaucoup. Mais par ailleurs, en ayant fait partie de la promotion de la Fondation Obama, c'est aussi une grande communauté d'activistes du monde entier d'être accompagnée par le président Obama, par ses équipes. Du coup, évidemment, ouais, et je pense qu'aujourd'hui, on est des millions en fait. Et on est en capacité de se parler et de se répondre instantanément. Ça change la donne. Quelles sont les personnalités qui vous inspirent dans le monde? Vous parlez d'Obama, est-ce qu'il y a d'autres personnalités qui vous ont marqué? Je ne sais pas si Barack Obama, oui, il m'inspire, mais je ne sais pas si c'est un modèle. Non, moi, les personnes qui m'inspirent le plus, et je me répète, au risque de me répéter, ce sont des gens comme Trisha Shetty ou Ina Omarova, qui sont extrêmement engagés, qui sont des activistes, qui parfois sont en danger dans leur pays, mais qui se sont battus, qui se battent contre le statu quo. Trisha Shetty, qui est une activiste indienne dans ce qui est censé être la plus grande démocratie du monde, qui ne l'est plus, hein, très clairement, avec Modi, qui se bat pour oser affirmer que le viol conjugal, c'est un viol, qui se bat pour oser dire que non, il est illégal et il doit être puni le fait de violer des petites filles et de les brûler ensuite. Ce sont des figures de courage et d'inspiration. Dernière question dans ce chapitre portrait, justement, Alice Barbe. C'est dans les esprits, évidemment, de beaucoup, je pense. Pourquoi, pour quelle raison vous ne vous engagez pas en politique? Mais je m'engage en politique. Monter l'Académie des futurs leaders, c'est accompagner... c'est une forme d'engagement et j'espère bien que dans les années à venir, je pourrai le faire. Mon sentiment ces dernières années et le sentiment, je crois, des personnes qui ont rejoint l'aventure de l'Académie, c'est une forme de peur et peut-être de peur d'être instrumentalisé, de peur d'être intimidé aussi. Et je pense vraiment qu'il faut être stratège et pouvoir se préparer. Dans 5 ans, l'Académie aura accompagné près de 100 personnes avec des échéances électorales. Il y a les législatives cette année, mais ça c'est... Et on a 5 personnes qui se présentent aux législatives cette année. Mais après, il y a les européennes. Après, il y aura les régionales, les municipales. Et on revient aux élections présidentielles. 100 personnes qui, chacune d'entre elles, est soutenue par des centaines de milliers de gens, parce que chacune d'entre elles est sélectionnée sur sa capacité de mobilisation. Ça peut faire la différence. Ça peut faire au moins 10 millions de Français qui se mobilisent. Absolument. Mais justement, parlons-en. Jingle, tout de suite, l'Académie des futurs leaders. Jingle, c'est parti. Alors, j'ai noté que votre académie, l'Académie des futurs leaders, elle a un ADN, l'éthique, l'intégrité, l'empathie. Mm-hmm. Pourquoi ces 3 choix ?
Parce que c'est ce qui revient le plus quand on pense à la politique, c'est le manque d'éthique, le manque d'intégrité et le manque d'empathie. Ça fait bien longtemps, même jamais, je crois que dans l'histoire de la Ve République, aucun chef d'État ne s'est jamais excusé publiquement. Ça demande quand même une humilité, une forme de vulnérabilité. Et il y a tout ce mythe de l'homme fort, dominant, qui dort 3 heures par nuit, qui a fait l'ENA, qui est blanc et viril, qui est envers et contre tout. Je crois que si on se posait la question de plus d'empathie dans la manière de diriger, le pays s'en sortirait beaucoup mieux. Les politiques de demain ne devraient pas sortir de Sciences Po, de l'ENA. À l'origine, ce sont des écoles d'administration. J'avais noté ça. L'académie, c'est quoi? C'est justement sortir de ce... Je ne crois pas avoir dit cette phrase. Je pense que les écoles d'apprentissage des sciences politiques sont indispensables. D'ailleurs, nos intervenants enseignent également dans ces écoles. Et on est allé les voir, on leur a dit, mais on serait vraiment ravis de pouvoir bénéficier de ce que vous faites. Et les participants à l'académie, ce qui est super intéressant, c'est qu'il y en a autant qui n'ont pas forcément fait d'études et d'autres qui sont polytechniciens, majeurs de Sciences Po, agrégés d'histoire, comme Anne Pédron, qui était prof en lycée pendant 10 ans et candidate aux législatives à Nantes. Et en fait, on arrive en disant, il faut un mix de tout ce qu'il faut apprendre. L'académie, il y a une part de cours théorique. Bien sûr que c'est important de connaître le droit constitutionnel, d'avoir des notions d'éthique en philosophie. Mais il y a aussi le fait de se confronter, rencontrer des personnalités politiques qui ont eu à exercer des mandats et qui ont fait des erreurs. Et leur poser la question de leurs erreurs, de leurs regrets, c'est la deuxième composante qui est extrêmement importante. Et la troisième composante, c'est d'être ancré. Moi, je pense que les futurs dirigeants, les futurs leaders, il y a cette dimension d'ancrage qui est très importante. Parce que parfois, effectivement, on peut perdre la tête, quoi, par péché d'ego, par hubris, mais aussi parce que le rythme est fou. Alors, on peut facilement tomber dans la dépression, se retrouver vulnérable, être confronté à des schémas de problèmes mentaux. Il faut aussi avoir une discipline. Absolument. Donc, ouais. À l'académie, on a cet accompagnement aussi sur comment... garder la tête froide et rester ancré dans sa communauté. Madame Barbe Alice, justement, Madame la Présidente, on va regarder, on va découvrir quelques personnalités de l'Académie. Allons-y avec cet extrait de quelques personnalités qui, évidemment, répondent à quelques questions. Regardons cela. Changer la politique, il faut être à l'intérieur du système. Ensuite, je pense qu'il faut avoir des personnes qui ressemblent à la société française, c'est-à-dire plus de femmes, plus de diversité, plus de réfugiés, plus de militants, plus de LGBT, pour vraiment prendre des décisions qui soient en phase avec les besoins de la société. Je pense que je m'inscrirai dans l'académie. C'est tellement important aujourd'hui d'avoir un impact concret. Cette académie-là, il me semble, est dans le concret. C'est pas de la théorie et je ressens qu'il y a un réel souhait d'être dans l'action et rapidement. Je donnerais accès à l'information scientifique, de l'éthique et de la philosophie, aussi être capable d'avoir une vraie vision de société et un vrai ancrage sur le terrain. Et après, je changerais aussi les institutions, bien évidemment. C'est le pouvoir qui inclut que très très peu les citoyens. Donc il faut à la fois avoir une vision de long terme de comment est-ce qu'on change ces institutions. Ces témoignages-là, c'est des gens qui vous accompagnent ? Ce sont des gens qui nous soutiennent, qui interviennent à l'Académie. Delphine Ho, qui est ambassadrice, elle intervient sur la diplomatie féministe et aussi sur le fait d'être députée et de faire une campagne. Harry, évidemment, comme il est producteur de films, l'idée, c'est de voir quels sont les ponts entre la culture et la politique. Et on a une communauté, en fait, ce n'est pas juste les participants. Aujourd'hui, l'Académie, il y a 13 participants, mais autour, il y a des centaines de personnes. On a 60 intervenants pro bono, moi, je ne sais même pas comment j'ai fait, qui nous font confiance et qui interviennent auprès des participants, qui parient aussi sur l'ambition du projet. Et l'ambition du projet, ce n'est pas juste... des gens qui vont être élus, c'est oui, un peu we the people, quoi. Nous, le peuple, nous tous, on peut reprendre le pouvoir, on peut prendre le pouvoir. Et vous avez raison, on va découvrir tout à l'heure les candidats, ceux que, évidemment, vous formez, vous accompagnez. Alors, j'ai noté quelque chose, c'est que l'idée, évidemment, que de l'Académie, c'est d'être des leaders, c'est ce que vous voulez, et avoir la capacité, justement, d'être représenté. Vous parlez du Parlement, du gouvernement, et pourquoi pas l'Élysée ? Absolument. La première séance où on s'est tous rencontrés, chacun a partagé son histoire, c'était très puissant.
Les 13 personnes étaient dans la pièce. Je me souviens de quelqu'un comme Sana Saïtouli, qui est candidate aux élections législatives à Cergy, en liste citoyenne, qui dit bah, « Voilà, en fait, moi, je suis racisée, je suis une femme, j'ai 3 enfants, je suis enfant d'immigrés, mes parents sont musulmans. » Et ma mère m'a dit… – Elle est originaire d'où ?– Maroc. – Maroc. Et elle me dit « Ma mère ne veut pas que je fasse cette académie parce qu'elle me dit de rester à ma place parce qu'elle a peur pour moi que j'entre en politique. » Je comprends complètement sa mère, mais je comprends la détermination et surtout le courage que ça demande à quelqu'un comme Sana, qui est une lionne déterminée, à dire bah, « En fait, j'y vais et je serai à ma place. » Vous le dites d'ailleurs, vous dites « Ces leaders ne se prennent pas pour des sauveurs ni des héros, mais vous voulez servir une communauté et des causes. » Qu'est-ce que vous entendez par cela? Est-ce qu'il y a quelque chose de sous-jacent quand vous dites cela? Ce qui est sous-jacent, c'est que, évidemment, comme je l'ai dit, ils sont tous sélectionnés sur la base de leurs valeurs, leur capacité de mobilisation et le combat qu'ils portent, justice sociale, environnementale, démocratique. Ça peut être des gens comme, tout à l'heure j'évoquais Anne Pédron à Nantes, qui a décidé de ne pas avoir une grande carrière politique et qui est devenue enseignante en lycée, qui est devenue prof en lycée. Elle a formé des générations de gamins. Vous vous rendez compte de l'impact ? Évidemment, bon, aujourd'hui, l'éducation nationale crache un petit peu à la gueule des profs, hein, et ça demande énormément de courage. Moi, l'ambition, c'est renverser un peu la table et dire bah, les personnes qui vraiment ont vu la société, qui viennent du terrain, qui ont vu la souffrance, qui ont vu les inégalités, seront les meilleures défenseuses des causes. Vous parlez des candidats, on va les découvrir, ça vous va? Allez. Allons-y, tout de suite, maintenant. Je suis Achraf Manar, j'ai 24 ans, je suis ingénieur de formation et je suis membre du collectif Différentes Leaders qui regroupe à peu près 150 jeunes qui ont traversé les inégalités et qui s'engagent ensemble pour faire en sorte que les choses changent pour leur cadet. Je suis Anne Pédron, 38 ans, je suis nantaise, je suis historienne de formation et de vocation et depuis toujours j'aide les organisations et les individus à relier leur histoire avec un petit H à l'histoire avec un grand H. Priscilla Widowski, je suis consultante en stratégie de communication et mobilisation et militante pour la justice sociale et environnementale. Parce qu'avec mon collectif, je considère qu'on a construit assez de pouvoir pour être entendu, mais pas forcément pour être écouté. Je suis là pour contribuer à construire l'équipe qui pourra changer la France dans quelques années. Parce que je veux faire de la politique autrement, avec des gens qui sont engagés, dans le concret, qui militent depuis longtemps et qui sont alignés sur les principes d'éthique, d'exemplarité, d'empathie que je porte depuis toujours. Je suis à l'AFL pour travailler ma stratégie d'impact en vue d'un engagement politique, quelle que soit sa forme. Je pense que pour lutter contre les inégalités, il faut travailler à la racine, notamment sur le volet éducatif, mais aussi sur la transformation des institutions. Et là, Alice Barbe, Madame la Présidente, vous avez raison. Là, ils sont déterminés. Mmh. Ça fait bien, ça fait plaisir. Ça fait partie, évidemment, des choses qu'on doit cocher. D'être déterminé. Oui, dans le profil, évidemment. Oui, mais en fait, je pense qu'on a le droit aussi de ne pas l'être, mais on ne va pas faire une académie pour que des gens viennent, disent « bon, en fait, je n'ai pas envie de faire de la politique bah, ». Dans ce cas-là, faut pas faire autre chose. L'académie, Madame la Présidente, c'est 6 mois de formation? C'est 6 mois de formation, 3 jours par semaine, les mardis, mercredis, jeudi. Et on a lancé un appel aussi. On lance un appel, moi je continue de lancer un appel, c'est sur nomination. Nomination. Donc si. Allez-y, profitons-en. Bah, toutes les personnes qu'on rêve de voir en politique, il faut les nominer. Alors en ce moment, on n'est pas en pleine campagne de nomination, de recrutement, mais l'Académie recrute là-dessus. Il y a des gens qui sont à l'Académie qui ne savaient pas qu'ils avaient été nominés. Et en fait, c'est leur communauté. On découvre à l'écran justement le plan de formation, plan 1, plan 2, ouais. Plan 3. Hein. Pardonnez-moi, Alice Barbe. Non, mais je disais juste, il y a des gens qui ne savaient pas qu'ils étaient nominés. Il y en a une, qui, Ophélie Latil, la fondatrice du collectif Georgette Sand, ex-porte-parole de Génération Précaire. Elle dit, j'ai ouvert mes mails, ça n'allait pas. Je me suis fait 2 ans de confinement, je ne savais pas où j'en étais, je me sentais au 36e dessous. Et j'ai gagné au loto, parce qu'en fait, ouais, je serais légitime. Et ils viennent, on ne leur a pas dit... tu t'engages à te présenter. D'ailleurs, moi, je ne pensais pas que les gens allaient forcément se présenter aux élections législatives. Ils n'ont pas du tout été sélectionnés sur ça. Et on ne les accompagne d'ailleurs pas sur les campagnes, pas du tout. On ne joue pas ce rôle que sont censés jouer les partis. C'est ouvert à tout public ? C'est ouvert à tout le monde. À partir du moment où on a démontré une forte capacité de mobilisation sur la justice sociale ou environnementale. Partout en France, dans l'Hexagone ? Et la démocratie, partout en France. Sans différence de diplôme, d'âge ou autre.
Madame la Présidente. Et moi, je serais curieuse. Oui. Tu rêverais de voir qui en politique ? Bonne question. Très bonne question. Comment vous financez tout ça ? Alors, et vous, vous rêvez de qui ? Bah, des gens qui sont à l'Académie pour l'instant. Après, il y en a... Vous parlez de 100 dans 5 ans. Oui, il y en a beaucoup d'autres que j'aimerais voir, qu'on appelle entrepreneurs sociaux, qu'on appelle activistes. On a vu Camille Etienne tout à l'heure. Bon, je sais qu'elle n'a pas forcément envie, mais il y en a beaucoup, des gens qui m'inspirent dans ce pays. Un esprit, une nouvelle école, et puis surtout, c'est ce que vous voulez préparer. C'est les politiques de demain, la nouvelle génération qui émane de l'Académie, votre Académie des futurs leaders. Et pour répondre à la question du financement, c'est quand même un gros sujet, je crois. Parce que... Comment vous financez l'Académie ? D'un point de vue éthique, moi, je trouverais ça compliqué de solliciter des fonds à des entreprises, par exemple, ou des fonds publics. Donc déjà, on a des limites de montant sur les dons. Et autrement, on travaille avec des fondations philanthropiques privées. Donc ça peut être la fondation Lund, par exemple, qui est basée en Belgique, qui finance des trucs comme le film de Flore Vasseur, Bigger Than Us, ou l'entreprise sociale Make Sense. Et après, moi, je trouve ça compliqué parce que du coup, on demande des dons à des particuliers. Il y a une forme de réticence à s'engager, même s'il y a beaucoup de soutien. Il y a une forme un peu d'allergie, parce que, oh, c'est politique, je ne veux pas y aller. Et pourtant, l'Académie est apartisane. Et ce qui me scandalise, c'est quand je vois les ressources démentielles que des gens comme M. Bolloré va donner à l'extrême droite, ou des gens comme Steve Bannon ou Vladimir Poutine pour nourrir l'extrême droite en France, et qu'en face, le camp progressiste a un peu peur de se mouiller, ça me pose un petit peu question sur c'est quoi le modèle économique de la démocratie, d'une certaine manière. – Vous voulez lancer un appel ?– Un appel à dons, évidemment. Oui. Nous, on cherche toujours des donateurs, ouais. On cherche toujours des soutiens. – On arrive au terme de cette interview. Bravo pour votre parcours. – C'était chouette. – C'était chouette, et surtout chouette pour vous, parce que je dois dire respect, surtout. Madame la Présidente, qu'est-ce que vous avez envie de lancer comme message ou le dernier mot ?– C'est bizarre, Madame la Présidente. Vous êtes présidente de l'Académie. – Ouais, mais tout ça, c'est des titres. Et c'est quoi la question ?– La question, c'est quel est le mot de la fin ?– Le mot de la fin, votre c'est… – Votre mot. – Ouf, le mot de la fin, c'est… je pense que parfois… On reçoit des nouvelles comme la chute de Kaboul ou l'invasion d'un pays comme l'Ukraine. Ça décourage beaucoup. Ça décourage parce qu'on se dit que notre capacité est limitée. Mais il ne faut pas oublier qu'on a des armes, et ce sont nos mots, ce sont nos faits, ce sont nos engagements. Et il ne faut jamais arrêter de s'engager. – Pour rien lâcher, comme on dit ici. C'est ça. C'est ce qu'on dit, on dit on ne lâche rien. Merci Alice Barbe, activiste, entrepreneur social, présidente et fondatrice de l'Académie des futurs leaders. Bonne chance, bon courage à vous, Alice Barbe. Merci. Bon vent, effectivement, à cette future génération de politique. La relève, c'est la relève finalement. J'espère. C'est la relève. Allez, restez fidèles à Télésud. On se retrouve donc dès la semaine prochaine pour un autre invité, un autre rendez-vous. Et d'ici là, on ne lâche rien. Ciao, ciao.